Bien, bonjour à tous. Il est presque l'heure, voire même il est déjà 11h, et bienvenue donc pour cette visioconférence consacrée à un sujet universel et à la fois complexe, la retraite. Moi, je suis Cyril Pierre, gérant privé à la gestion privée de Trust Team Finance, et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Madame Valérie Fauconnet, fondatrice, consultante du cabinet Fauconnet, donc spécialisée dans la protection sociale et la préparation de la retraite et des régimes de retraite en général. C'est une présentation qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Madame Fauconnet va s'exprimer une vingtaine de minutes pour faire un tour général des différents régimes de retraite et de la complexité aussi un petit peu de la préparation de la retraite, en tout cas la nécessité de l'anticiper, c'est vraiment le thème de cette conférence. Et moi-même, une dizaine de minutes, je présenterai trois exemples de capitalisation volontaire pour préparer la retraite dans un système fiscalement optimisé. Les micros vont être coupés. Nous vous inviterons bien sûr à nous poser des questions à l'issue de cette présentation. C'est l'objectif. Posez toutes les questions que vous souhaitez. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. Et je vais sans plus tarder laisser la parole à Madame Fauconnet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis ravie d'être là. Je suis donc Valérie Fauconnet, je suis consultante en protection sociale et donc la gérante associée du cabinet Fauconnet que j'ai créé il y a une dizaine d'années. Je dirais que la marque de fabrique du cabinet, on est adossé au groupe Sofraco qui est expert en protection sociale en France, ce qui nous permet de bénéficier d'une formation et d'informations fort utiles sur le sujet que nous allons travailler aujourd'hui et vous présenter. Alors, la retraite, en quelques mots. Ça marchait tout à l'heure, ça va remarcher. Voilà, donc mon cabinet, donc voilà. Qu'est-ce que la retraite? En fait, j'aime à dire que c'est une équation à plusieurs inconnues et à plusieurs degrés, puisqu'on a pas mal de choses qui s'entrechoquer, parce que c'est un peu violent, mais qui s'entrebriquent. C'est comme des briques. Vous allez voir dans le précédent slide, voilà. Vous avez plusieurs étages, la retraite en France est constituée d'un régime de base que nous connaissons tous et que nous visualisons très bien sur le relevé individuel de situation, encore appelé RIS, que l'on reçoit automatiquement entre 45 ans et 50 ans. Donc ça touche le régime de base. Ensuite, vous avez un régime complémentaire, qui est au dos d'ailleurs de ce RIS, ou sur la deuxième page, qui lui, donc, on y reviendra tout à l'heure aussi en détail, dépend de votre régime de base et de votre profession, mais qui est la deuxième marche du dispositif. Et enfin, vous avez le régime supplémentaire, fortement encouragé, je dirais, par nos gouvernants ces dernières années, puisque c'est lui qui nous permet de compléter, d'adapter, d'ajuster et de préparer en fait une retraite. Parce que qu'est-ce que c'est la retraite? C'est en fait notre revenu futur à partir du moment où on a décidé de s'arrêter. Bon, on a décidé ou on a l'autorisation de s'arrêter par l'administration. En fait, la complexité de notre système, qui est très bien fait, c'est que nous avons beaucoup, beaucoup de régimes de retraite en France, plus d'une quarantaine. À l'intérieur de chacun de ces régimes, on a des différences que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais sachez aussi qu'en plus de ces 42 régimes, il y a des régimes spéciaux dont on entend beaucoup parler. Il y a des régimes spécifiques aussi aux fonctionnaires, à certaines professions, ce qui complexifie en fait plus dans sa compréhension que dans sa technicité le fonctionnement d'une retraite. Voilà. Pour essayer de rester simple, parce que c'est l'objectif de cette réunion, vous avez bien saisi régime de base. Votre régime de base est rattaché, c'est votre retraite de base que vous voyez là, par exemple pour la MSA, qui est les salariés de l'agriculture ou de l'industrie et du commerce et des services, ça sera la CNAV. Vous avez ensuite une retraite complémentaire qui peut venir compléter, implémenter la retraite de base. D'accord ? C'est pour ça que pour les salariés, par exemple,
CNAV peut s'orienter vers ArcoArgIRC, voire IRCANTEC. Ce n'est pas du tout, comment dire, exclusif. Tout dépend en fait de la carrière que vous allez mener pendant un certain nombre d'années. Donc, on a mis pas mal d'exemples avec des professions, effectivement, le personnel navigant de l'aéronautique civile, ça sera encore autre chose. Donc, tout cela constitue, je dirais, le régime de base et le régime complémentaire. Retraite de base, on en a aussi pas mal entendu parler pour les fonctionnaires de l'État, les magistrats, les militaires, qui seront traités plus à points que par trimestre, on verra ça tout à l'heure. Les ouvriers de l'État, enfin, en fait, c'est l'histoire de la protection sociale en France qui a, je dirais, au fil du temps, au fil des années, constitué ces régimes de retraite. Alors, je fais une petite aparté sur, en tout cas moi à titre personnel, je suis rattachée par exemple à la caisse des retraites des non-salariés, et vous voyez qu'à l'intérieur de cette caisse des retraites des non-salariés, on a une redécomposition pour les médecins, pour les pharmaciens, pour les avocats. L'ENIM, c'est encore, donc là c'est en dehors du SSI, mais c'est un système qui s'apparente aussi, je dirais, aux caisses des retraites des non-salariés, mais un peu régime spécial, puisque l'ENIM s'intéresse à tous les patrons pêcheurs embarqués, qui est un régime à part. Voilà. Ce que j'essaie de vous dire dans cette première partie, c'est que tout va dépendre de votre régime de base et du régime complémentaire auquel vous êtes rattaché. Bien souvent, quand je discute avec des prospects ou des clients, on n'est pas trop intéressé, on n'a pas forcément envie de trop regarder, de trop comprendre, mais je dirais que c'est le début de notre histoire et ça vaut vraiment la peine de s'y pencher, on le verra tout à l'heure, à différentes parties de notre vie professionnelle. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez compris, la retraite de base, la retraite complémentaire sont les socles de votre revenu futur. On a essayé de vous le représenter dans ce comparatif, par prestation, puisque la complexité vient du fait aussi que les prestations ne sont pas homogènes, c'est-à-dire que par type de régime, si vous êtes médecin, si vous êtes travailleur indépendant ou si vous êtes salarié, vous ne serez pas servi de la même façon. Ce qui, est assez logique d'ailleurs, puisque vous n'êtes pas le taux de cotisation de chacun de ces régimes ne sera pas le même. Pour les salariés, c'est par exemple plus ou moins imposé par les conventions collectives. Pour les travailleurs indépendants, ça sera là aussi, comment dire, orienté, indiqué par le code APE d'activité et la caisse à laquelle on a choisi, votre expert comptable ou votre comptable vous a rattaché. D'où l'importance de bien se faire expliquer par l'intéressé là où vous allez être amené à aller. Et ensuite, par exemple, pour les régimes des professions libérales, il y a encore des caisses qui sont un petit peu plus, je dirais, structurées, un peu plus anciennes, qui leur permettent de se rattacher aussi, de la même façon, à une caisse de régime de base comme complémentaire. À l'intérieur de chacune de ces caisses, vous allez pouvoir être éligible, en fait, à un droit à retraite à taux plein. Alors là aussi, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire de disposer d'une retraite de base à taux plein ? Elle est assurée en fonction de deux critères. Premier critère, l'âge légal qui est autorisé par votre régime de base. Deuxième critère, le nombre d'années cotisées, le nombre de trimestres cotisés. Et c'est la combinaison de ces deux paramètres qui permettra de vous déterminer votre taux plein. Là aussi, très difficile de faire des généralités, puisque ça dépend de la carrière de chacun. Donc, on étudie au cas par cas ce que l'on peut faire et comment on peut optimiser tout ça au mieux pour que vous tiriez le meilleur revenu en fait de futur à constituer. Les modalités de calcul. Là encore, ce qui peut expliquer certaines complexités, c'est que d'un côté, la valeur du point va être différente en fonction des trois régimes que nous avons évoqués ci-dessus. Les surcotes, les décotes ne seront pas forcément non plus les mêmes et pas forcément calculées de la même façon. Mais je dirais, pour essayer de rassurer et d'informer au mieux, la mécanique est un petit peu identique. Et notamment ces dernières années, il y a eu une forte volonté de l'État de justement pouvoir aligner, orienter le régime des salariés vers un régime à points qui existe déjà au travers le régime des professions libérales. Les modalités de calcul, je vous laisserai les étudier plus,
plus avant, parce que c'est en fonction de chaque RIS, relevé individuel de situation, mais au moins vous avez des exemples concrets de formules qui vous permettent de, déjà de regarder pour vous ce qu'il en est. Là-dessus, il faut bien sûr être vigilant et compléter en fonction, je dirais, de la situation particulière et des possibles majorations, minorations qui sont là aussi propres à chaque régime. J'ai voulu aussi vous alerter, vous informer sur ce qu'on a appelé le fameux régime aligné. C'est un régime qui est apparu, en fait c'est une synthèse de plusieurs régimes qui est apparu à partir du 1er juillet 2017, justement pour simplifier, parce que c'est quand même pas forcément évident de bien tout liquider au bon moment. Donc, il y a eu une volonté en fait, de l'administration pour les générations nées à partir de 1953 de garder un seul régime compétent pour liquider ses droits à la retraite de base, de prendre en compte la dernière carrière comptabilisée dans son ensemble, gérée par le dernier régime de base. On n'a plus besoin de retourner et de recontacter les différents régimes pour ceux qui ont plusieurs régimes dans leur carrière. Un seul calcul de la pension, calculé ou proposé par le dernier régime, donc une seule pension de retraite de base servie. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'années, vous aviez chacun de vos régimes, vous faisiez des virements et vous versiez votre pension, ce qui était extrêmement compliqué, à la fois pour gérer son budget et puis pour être sûr qu'on touchait bien le même niveau de pension par mois. J'ai fait un petit rappel justement de qu'est-ce qu'une retraite de base. Ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On part de votre salaire annuel moyen ou de votre revenu annuel moyen, qu'on multiplie. Alors, ce que j'appelle le taux, c'est le taux de remplacement. C'est un paramètre très important puisque c'est lui qui permet d'asseoir votre revenu futur et qui se calcule, je dirais, pour chacun individuellement en fonction de sa carrière. Le tout multiplié par sa durée de cotisation d'assurance. C'est une assurance, la retraite, comme une assurance santé, prévoyance. C'est le même principe. Vous adhérez à un contrat d'assurance retraite sur la durée de référence qui, là, ne nous appartient pas, qui est définie par l'administration et par chaque régime. Là, je suis rentrée plus dans le vif du sujet pour la caisse des professionnels libéraux, qui est une caisse qui est justement intéressante puisqu'on cotise des points, comme d'ailleurs le CNBF pour les avocats. Le nombre de points acquis chaque année est proportionnel, ça c'est très important, à la cotisation versée. C'est pour ça que c'est important, notamment quand on est indépendant et qu'on se dit « je paye beaucoup de cotisations sociales, je n'ai pas envie, je voudrais baisser ce niveau de cotisation ». Sachez quand même qu'il faut un minimum, j'ai envie de vous dire pertinent, pour pouvoir prétendre ensuite à une cotisation de retraite décente. Si on ne cotise à rien, eh bien, malheureusement, on n'a droit à rien au final. Donc, ça, c'est important. C'est pour cela, d'ailleurs, que chaque régime décompose, en fonction de ses conditions et de ses modalités, des tranches. Les salariés l'ont vu récemment, on était en tranche A, tranche B, tranche C, on est passé en tranche 1 et tranche 2. C'est un petit peu pareil pour les professions libérales, c'est un niveau de points, pour les indépendants, c'est un niveau de points à atteindre qui permet d'être à l'optimum de la cotisation. D'où l'importance, effectivement, de se faire accompagner et de bien comprendre comment ça fonctionne. On parle aussi de points supplémentaires et de points rachetés. Il faut savoir qu'effectivement, par régime, des points supplémentaires sont attribués, notamment pour les femmes qui ont eu des enfants. Alors, pour le régime des professionnels libéraux, ça sera des points. Pour certaines autres caisses, ça peut être des trimestres supplémentaires. Donc, c'est comptabilisé. On prend aussi en compte, on a beaucoup de chance dans notre pays, quand on a eu une invalidité durant sa carrière professionnelle, ça là aussi, ça nous permet de bénéficier de points supplémentaires. Points rachetés, là, c'est un petit peu plus tard, je dirais, dans la réflexion de la retraite. C'est quand on a une visibilité d'un petit peu sur X années de ce qu'on a fait et qu'on a une interruption plus ou moins brutale d'ailleurs, qui ne nous a pas permis de valider des trimestres, donc des points, on a la possibilité, sous certaines conditions, de pouvoir racheter des trimestres, ce qui peut être intéressant ou pas en fonction de l'âge auquel on se rend compte de cela.
Le fonctionnement des trimestres aussi est important. Pour moi, c'est un des enjeux de la retraite. Donc, bien avoir en tête les trimestres cotisés, les trimestres assimilés et les trimestres pour majoration. Je vous ai tout écrit parce que le temps passe et je ne veux pas dépasser mon temps. Le fonctionnement des trimestres, là aussi, gardez bien en tête les chiffres que je vous ai indiqués, à savoir par rapport au montant de rémunération, au montant de salaire, ce qui convient aujourd'hui en 2020 et 2021 pour valider un trimestre. Ça, c'est très important, surtout pour les indépendants, aussi pour les salariés, mais les salariés, c'est plus encadré, je le répète, par des conventions collectives, donc c'est un peu plus rigide. Mais pour la salariée, il y a un minimum de rémunération à prendre à l'année, qui est de 6 090 euros, pour valider ces quatre trimestres. Si on a moins, on ne valide pas, et donc on n'est plus éligible à un certain niveau de pension. Ça, c'est important. J'ai fait un petit aparté pour montrer la différence aussi des régimes, puisque les fonctionnaires, eux, c'est calculé un petit peu différemment. Enfin, je terminerai par la retraite au fil de la vie. C'est un peu aussi ce qui anime mon quotidien. J'ai envie de vous dire que c'est à tout âge qu'il faut commencer à y penser. J'aime bien la tranche 35-44 ans pour déjà comprendre comment fonctionne son relevé individuel de situation. On se sensibilise. Vers 45 ans, on commence à se dire, tiens, je vais quand même me mettre la tête dedans et essayer de bien vérifier que tout est bon. Où je vais essayer de bien comprendre. 50-60 ans, on commence à régulariser les anomalies, parce qu'il faut le faire avec chacun des régimes, donc ça prend un peu plus de temps. Et à plus de 60 ans, ça devient pertinent de commencer à déterminer et valider la date optimale de son départ en retraite. D'où l'importance de garder tous ces justificatifs, notamment quand on veut régulariser des anomalies. C'est important. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce petit slide qui permet de synthétiser en disant qu'est-ce que la retraite? Je dirais que c'est un peu une photo de toute votre carrière, de tout ce que vous avez fait à différentes étapes de votre vie. Donc, ça peut valoir la peine, surtout en ce moment et surtout avec la richesse de notre régime, de le vérifier, de le régulariser. Pourquoi? Pour l'optimiser. Bien sûr, ça sera en fonction de la réglementation en vigueur au moment où on liquidera, mais aussi des situations qu'on a pu traverser tout au long de sa vie. Donc, ça, c'est quand même riche d'enseignements. Et ensuite, bien sûr, de la calculer pour l'optimiser et de faire un bon travail. La mission de mon cabinet, vous l'avez bien compris, c'est de vous accompagner sur ces différentes étapes de votre vie, de votre carrière professionnelle, qui passe par un bilan, une reconstitution de carrière, une projection, avec des solutions possibles. Et là, je vais passer la main à mon partenaire Trustim pour justement vous proposer des solutions. Merci beaucoup Valérie, et je pense que si on veut résumer cette intervention et ces enjeux, in fine c'est quoi? C'est on veut arriver à savoir à peu près, ou le plus précisément possible grâce à Valérie Fouconnet, quel sera son revenu une fois à la retraite. Et une fois qu'on a ce revenu déterminé, anticipé, estimé, est-ce que ce revenu va suffire finalement à assurer mon train de vie et mon cadre de vie? Le cadre de vie, c'est sa résidence principale, sa voiture, ses loisirs. Et donc, est-ce qu'en face, j'aurai assez de revenus par ma retraite? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire le plus tôt possible? Finalement, à tous les âges de la vie, on peut se poser la question, comment je peux me constituer des revenus complémentaires. Et là, en effet, nous, Trustim Finance, société de gestion d'actifs, on va pouvoir intervenir dans le conseil sur des enveloppes fiscales, sur des supports d'investissement qui vont vous permettre, dans une épargne financière, bien sûr, compte tenu de notre activité, à tenter de vous générer un revenu complémentaire et un revenu complémentaire, j'ai envie de dire, fiscalement quel sera ce niveau. C'est-à-dire que avoir un revenu brut, c'est important, mais quel est mon reste à vivre, combien ce revenu sera réellement disponible, net de fiscalité. Alors, en deux mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Trustim Finance est une société de gestion indépendante, une société de gestion d'actifs créée en 2000. Nous sommes un petit peu moins de 30 collaborateurs, 36 collaborateurs, et nous gérons actuellement un peu plus de 720 millions d'euros
pour la clientèle privée, mais aussi pour des institutionnels, des grands comptes et notamment quelques caisses de retraite. Nous sommes une société connue pour avoir une gestion différenciante, assez unique sur la place de Paris, puisque notre gestion est centrée sur ce que l'on appelle, nous, la satisfaction client, c'est-à-dire que nous choisissons les sociétés dans lesquelles nous investissons sur un critère qui est le taux de satisfaction client et de savoir si les sociétés ont réellement une stratégie qu'on appelle orientée client, tout simplement pourquoi ? Parce que le client est responsable du chiffre d'affaires d'une entreprise et il y a forcément une corrélation entre le taux de satisfaction client et la performance financière d'une entreprise. Et pour illustrer ça très, très rapidement, voici par exemple quelques valeurs bien connues chez Trusteam et que vous connaissez également très certainement, qui sont parmi nos valeurs favorites et sur lesquelles nous investissons pour le compte de nos clients. Alors, le sujet d'aujourd'hui, l'équipe de gestion privée, nous sommes 5 interlocuteurs et même 6, puisque nous venons de recruter une nouvelle collaboratrice qui est arrivée cette semaine. C'est pour ça que vous ne voyez pas encore sa photo à l'écran, mais vous la verrez très bientôt. Donc, le sujet du jour, c'est de se dire, voilà, sur quel support de capitalisation je peux investir et qu'est-ce que je peux en espérer. J'ai pris trois exemples, trois placements bien connus, l'assurance vie, le PER, depuis la loi Pacte de 2019, et le PEA. Alors, ce que j'ai voulu montrer, notamment ici avec l'assurance vie, on va le faire aussi avec les deux autres supports, c'est de se dire, voilà, si j'épargne et qu'une fois à la retraite, je veux retirer par exemple 1 000 euros par mois de ce placement, quel va être mon revenu disponible ? Alors, l'assurance vie, c'est un placement préféré des Français qui bénéficie d'une fiscalité avantageuse dès que le contrat a plus de 8 ans, puisqu'il permet sur la part imposable on peut retirer un abattement de 4 600 euros par an pour une personne fiscalement seule ou 9 200 euros pour les couples soumis à imposition commune. Donc, l'exemple que j'ai pris, ça y est, je crois que cela revient. Excusez-moi, il y a eu un petit souci. Alors, attendez. Je repartage l'écran. Voilà, ça y est. Excusez-moi. Hop. Donc, prenons un exemple. J'ai versé tout au long de, on va dire, l'histoire de ce contrat d'assurance vie, 100 000 euros. Le jour où je décide de retirer 1 000 euros par mois, mon contrat vaut 200 000 euros. J'ai fait un exemple assez simple. J'ai doublé mon capital par les intérêts. Je vais donc retirer 12 000 euros par an de ce contrat qui vaut 200 000 euros. Comment je vais être fiscalisé et en quoi l'assurance vie est du coup intéressante ? Eh bien, si je retire 12 000 euros par an d'un contrat qui a doublé, ça veut dire que dans mes 12 000 euros, j'ai 6 000 euros de capital et 6 000 euros de taxables. L'exemple porte sur une personne avec une part fiscale dans son foyer. Donc, 6 000 euros de part taxable, j'enlève mes 4 600 euros d'abattement auxquels j'ai droit parce que mon contrat a plus de 8 ans. Je ne vais être imposé donc que sur 1 400 euros. Et la fiscalité, je vous l'ai calculée, en tout, vous aurez 1 211 euros de fiscalité à payer, qui comprend donc l'impôt sur le revenu sur 1 400 euros et les prélèvements sociaux, aujourd'hui 17,2% sur 6 000 euros. Ce que je veux montrer là, c'est que si, dans cet exemple-là, vous retirez 12 000 euros, vous constituez 1 000 euros de revenus complémentaires à la retraite, le revenu disponible pour vivre, pour assumer ce fameux cadre de vie et votre train de vie, ça va être 10 788 euros, c'est-à-dire quasiment 90% de ce que vous allez pouvoir retirer dans cet exemple de votre contrat d'assurance vie, c'est de l'argent que vous allez pouvoir dépenser. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que souvent, et c'est intéressant, il faut avoir pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre, dans un patrimoine, on peut avoir de l'immobilier locatif. Si cet immobilier locatif vous rapporte, et tant mieux, aussi par exemple 12 000 euros par an de revenus fonciers,
ça dépend de la fiscalité de chacun, mais globalement, vous allez quasiment abandonner 50% en fiscalité. C'est-à-dire que si vous retirez 12 000 euros de loyer brut, il va vous rester en réalité souvent toute charge payée, toute fiscalité payée, un peu plus de 6 000 euros, mais guère plus que 6 000 euros. Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est justement que le système de capitalisation de l'assurance vie bah, vous permet sur 12 000 euros, dans cet exemple, de conserver 90% pour votre train de vie. Hop. Voilà. Et c'est à peu près pareil, vous le voyez, sur le PER bancaire ou le PER assurantiel. Le PER, donc le plan d'épargne retraite, le nouveau produit que le gouvernement a lancé dans le cadre de la loi PACTE en 2019 et qui permet en fait d'avoir une déduction à l'entrée. C'est-à-dire en tant qu'actif, j'épargne sur ce PER et je peux défiscaliser mes cotisations et les versements que j'effectue. Et je pourrais, c'est la grande nouveauté, c'est l'intérêt, sortir en capital comme je le souhaite. En une fois, mais c'est peu recommandé, mais dans cet exemple, vous l'aurez compris, on va faire le même exemple. Je retire également 1 000 euros par mois de mon PER. Et même chose, j'ai investi 100 000. Mon PER vaut 200 000 quand je suis à la retraite. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose. Je retire 12 000 euros par an. La part taxable, c'est la même. J'ai 6 000 euros d'intérêt, 6 000 euros de capital. Là, il y a une subtilité. C'est qu'évidemment, et c'est l'intérêt, quand vous avez versé 100 000 euros tout au long de votre vie sur un PER, et imaginons que vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 41%, eh bien, vous aurez eu 41 000 euros d'avantage fiscal. Vous aurez déduit 41 000 euros de l'impôt à payer tout au long de ces versements. Ça, la subtilité, c'est que quand vous allez retirer le capital, au moment du retrait, ce capital qui a donné lieu à une déduction fiscale redevient taxable. Et bien souvent, et c'est là l'intérêt aussi quand même du PER, c'est que vous allez faire des versements en tant qu'actif avec bien souvent une tranche marginale d'imposition plus élevée que votre tranche marginale d'imposition quand vous serez à la retraite. Dans mon exemple, j'ai pris une tranche marginale d'imposition au moment des versements de 41% et une tranche marginale d'imposition de 30%. Et là, j'ai fait un petit calcul. Quand vous allez retirer 12 000 euros par an de votre PER à la retraite, vous allez payer, alors ça peut paraître un peu plus fort, vous allez payer 3 600 euros de fiscalité et donc il va rester 8 400 euros net pour vivre. Mais le net fiscal réel, il est différent parce que vous avez eu un avantage fiscal équivalent de 2 400 euros par rapport à l'avantage fiscal que vous avez eu quand vous avez versé sur votre PER et la fiscalité que vous allez payer avec une tranche marginale inférieure. Évidemment, cette fiscalité va être inférieure à l'avantage que vous en avez retiré. Et donc, en net-net, c'est ce que j'ai mis dans mon calcul, le disponible pour vivre retraité fiscalement, pas de jeu de mots sur la notion de retraité fiscalement, mais c'est 90%. Voilà, c'est à peu près la même chose en fait que l'assurance-vie. Et dans le troisième exemple, et je conclurai ma présentation avec celui-ci, c'est le PEA. C'est l'enveloppe vraiment idéale pour investir en bourse sur les actions européennes. L'intérêt, vous le connaissez probablement, c'est de bénéficier d'une exonération d'impôt à la sortie quand le PEA a au moins 5 ans. Alors, vous ne pouvez verser que 150 000 euros dessus, c'est plafonné en échange de cet avantage fiscal. Néanmoins, dans le même exemple, j'ai versé tout au long de ma vie 100 000 euros sur un PEA. Le jour où je pars à la retraite, mon PEA idem est valorisé 200 000 euros. C'est le même exemple, je retire 12 000 euros par an de ce PEA. La part taxable de ces 12 000 euros, ben c'est pareil que dans les deux autres exemples, c'est 6 000 euros d'intérêt et de plus-value taxable. Ma fiscalité, quelle est-elle? Sur les plus-values, sur ces 6 000 euros d'intérêt, je n'ai pas d'impôt sur le revenu, c'est l'avantage du PEA. En revanche, bien sûr, j'ai quand même les prélèvements sociaux, ça, vous savez, on ne peut pas y échapper en France. Là, j'ai pris le taux maximum possible, c'est-à-dire 17,2%, qui est le taux actuel. La réalité est un petit peu moindre, hein, puisque au niveau des prélèvements sociaux, le PEA bénéficie quand même de ce qu'on appelle la moyenne historique. Donc, on est pour des PEA qui auraient, par exemple, aujourd'hui une dizaine ou une quinzaine d'années, on est plus proche de 10-11% en moyenne de prélèvements sociaux. Mais prenons l'exemple le plus défavorable aujourd'hui, 17,2. Eh bien, vous n'aurez à payer sur ces 12 000 euros dans cet exemple, que 1 032 euros de prélèvements sociaux en ayant retiré donc
12 000 euros dans cet exemple. Et là, le revenu disponible, ben, il est quasiment identique, il est même légèrement supérieur. On est à 91,4% disponible. C'est-à-dire que j'ai retiré 12 000, je paye 1 000, eh bien, il me reste quasiment 11 000 euros pour vivre et donc financer mon niveau de vie, mon cadre de vie. Donc, ces trois exemples de capitalisation, on a coutume de dire et on entend souvent qu'ils sont optimisés fiscalement. Je voulais vous montrer, ça veut dire quoi optimiser fiscalement ? Ça veut dire que là, on a 90% de ce qu'on peut en retirer qui est vraiment de l'argent à dépenser quand on est à la retraite. Voilà, j'en ai, et nous en avons terminé. Je remercie encore une fois Valérie pour son intervention. On voulait faire court, on a fait un peu moins d'une demi-heure. C'est parfait, je pense. Et maintenant, je vous propose de répondre à vos questions. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Je vais repasser voilà. Hop, je me décale aussi un petit peu dans le champ de la caméra. Comme ça, nous sommes tous les deux à votre écoute. Et je regarde ici QNR. Je n'ai pas encore de questions, mais je vous en prie. N'hésitez pas à les poser. C'est toujours la première question qui est la plus longue à venir, généralement. Il faut peut-être enlever leur... si veulent parler, les micros. Alors oui, pour poser vos questions, alors, est-ce que vous pouvez... Alors, vous pouvez ici, il y a un icône avec une main jaune qui s'appelle « Lever la main ». Si vous souhaitez lever la main, je vous donne ensuite la parole. Alors, c'est vrai qu'on peut remettre tous les micros, mais généralement, on évite de le faire, sinon ça met un peu trop d'écho. Alors, ça y est, je vois une première question. Alors, c'est une question pour Madame Fauconnet. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer C'est le direct, ce sont les aléas du Wi-Fi, nous en sommes désolés. Voilà, vous êtes toujours avec nous, je vous vois. Donc du coup, une question sur la pension de reversion. Voilà, comment fonctionne-t-elle ? Est-ce que tout le monde y a droit ? Ou est-ce qu'il y a des plafonds, des limites peut-être de revenus ? C'est une très bonne question. Alors, le premier conseil à vous donner, à se donner, une reversion, ça se demande. Ce n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'en fait, le montant de la pension de reversion dépend, vous l'aurez bien compris, du régime de base auquel vous appartenez. Donc, il faut absolument en faire la demande. Il faut savoir que c'est, je veux dire de façon très générale, hein, parce qu'il y a énormément de cas particuliers, c'est en général conditionné à deux conditions. L'âge du survivant, qui permet ou pas d'être éligible à cette pension de reversion, et je dirais le montant minimum, puisque maintenant il y a un minimum et un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Donc voilà, c'est les deux critères à prendre en compte. Je me répète, c'est l'âge du conjoint survivant. Ah oui, d'ailleurs en disant le mot conjoint, il faut savoir aussi que dans certains régimes, et pour la majorité, il faut être marié pour pouvoir par exemple prétendre à cette reversion. Donc l'âge du conjoint survivant est important. Et donc le statut du survivant, et je dirais le plafond, puisque maintenant c'est sous condition, c'est plafonné à un certain montant de revenus. Ça s'explique dans la mesure où c'est pour c'est toujours dans le, je dirais, dans la lignée de qu'est-ce que la protection sociale, c'est de permettre à chacun d'avoir un revenu décent, l'objectif n'étant pas de s'enrichir. Donc, c'est pour ça que nos caisses de retraite ont mis un plafond pour pouvoir répartir un maximum de personnes et leur permettre d'avoir un revenu décent. Voilà très simplement ce que je peux vous dire sur cette question des reversions. Alors, je vois une autre question que je vous lis en direct. Bonjour, est-ce que le nouveau site internet de la retraite mis en place prend en compte le régime de base plus les complémentaires ou seulement le régime de base ?
Alors, si on parle bien du régime de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, je vais m'en tenir à celui-là, la CNAV, oui, il prend en compte la retraite de base comme la complémentaire. Et en général, sur un relevé individuel, ce qu'on appelle un relevé individuel de situation, qui sort quand vous avez créé votre compte, il y a entre 3 et 5, 6 pages, selon votre carrière, vous avez les deux, c'est-à-dire que le premier, vous voyez tous les trimestres, ça sera le régime de base. Ça sera d'ailleurs plafonné, vous ne pourrez pas dépasser, on peut anticiper d'ailleurs sur peut-être une prochaine question qui est, vous verrez que c'est toujours le même montant, parce que là aussi, le régime de base est plafonné à un plafond annuel de sécurité sociale. Et quand vous retournez la feuille, de l'autre côté, est ventilé justement le complémentaire qui dépasse ce plafond annuel de la Sécu et qui est transformé en fonction de son régime d'appartenance en points de tel ou tel régime. Donc oui, la réponse est oui. Une troisième question. Bonjour, pouvez-vous repréciser l'avantage fiscal global, phase de cotisation et phase d'allocation, comparé par type de produit? En phase de cotisation, alors, on est face caméra. Alors, il n'y a pas d'avantage fiscal sur les versements que vous effectuez, par exemple, sur un PEA ou sur une assurance vie, en tout cas une assurance vie de capitalisation. Les versements que vous pouvez effectuer ne sont pas défiscalisés. Les versements qui sont, qu'on appelle défiscalisés aujourd'hui, qui vous donnent droit à une déduction de votre revenu imposable, ce sont les versements que vous pouvez effectuer, donc dans l'exemple que j'ai mis sur le PER, le plan d'épargne retraite, ou si vous avez d'autres produits déjà existants, comme les Madelins pour les travailleurs non salariés, régime Madelin. Ou le régime PERP aussi, ou préfonds pour les fonctionnaires et PERP pour les salariés, dans la limite en fait de 10% de votre revenu imposable annuel. Donc, j'ai 50 000 euros de revenu imposable à l'année, je peux donc verser 5 000 euros sur un régime PERP, par exemple si je suis salarié ou PER, et ces 5 000 euros seront bien déductibles de mon revenu imposable. Donc, si je suis imposé à 41%, enfin, ça dépend de son régime ou de son foyer fiscal, mais si je suis imposé à 30%, 3 fois 5, 1 500 euros de déduction fiscale. Ensuite, à la sortie, l'avantage fiscal à la sortie, on va plutôt le retrouver donc sur l'assurance vie et sur le PEA. PEA, on est exonéré des plus-values quand on sort. L'assurance vie n'est pas complètement exonérée d'impôt sur le revenu. En fait, ça va surtout dépendre du montant de plus-value qu'on va sortir chaque année. Idéalement, on reste proche de l'abattement de 4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple soumis à imposition commune. Et même si on dépasse, là, il y a une fiscalité. Mais à la sortie, le PER, par exemple, ou le PERP, alors c'est un petit peu différent parce que le PER pouvait donc sortir en capital. Et en fait, si ce capital a donné lieu à une déduction fiscale au moment de la phase d'épargne, au moment de la constitution de l'épargne, quand vous ressortez ce capital qui a bénéficié d'un avantage fiscal, vous êtes refiscalisé sur ce capital. Le PERP, c'est un petit peu différent. Vous pouvez sortir 20% en capital et le reste en rente, en rente viagère. Donc, ça, c'est l'assureur qui calcule la rente. Et la rente est fiscalisée. En fait, vous devez là. Alors, il y a un petit abattement quand même sur de 10% sur cette rente, mais vous repérez de l'impôt sur le revenu sur cette rente. Voilà, idem pour le Madelin. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, il y en a d'autres, des questions. Merci pour cette synthèse très claire. Selon vous, pourquoi s'adresser à votre cabinet plutôt qu'aux banques, assurances et autres organismes concurrents? Une question pour Ah ouais, et puis je connais l'émetteur en plus, donc merci Frédéric. Pourquoi s'adresser au cabinet? J'ai envie de dire tout simplement parce qu'on est indépendant et ce qui nous motive, c'est votre satisfaction et faire en sorte que vous ayez le revenu que vous nous confiez en entrée. Donc, comment je peux vous dire ça? C'est l'intérêt client avant tout. Et ce n'est pas placer un produit bancaire ou assurantiel du moment, parce que c'est la promo du moment.
et que bien souvent en France, moi, ce qui m'a un petit peu chagriné, c'est qu'on pense plus à optimiser des produits que de trouver une solution pour notre client, qui en l'occurrence, c'est vous qui nous écoutez. Donc voilà, je pense qu'en étant indépendant, c'est notre compétence et notre confiance que vous achetez. Et donc nous, on a à cœur d'aller jusqu'au bout avec vous pour vos intérêts, sans pour autant avoir d'autres pressions que celle de vous satisfaire. Alors, comment arbitrer entre rachat de trimestre et se constituer sa propre épargne volontaire ? En clair, voilà, quel serait ou dans quel cas, alors ça peut être très, très variable, mais dans quel cas il est peut-être intéressant de racheter des trimestres ? Ça, c'est une question souvent qu'on entend, c'est vrai. Oui, c'est une bonne question, c'est assez technique. Le rachat de trimestre, en fait, il y a deux possibilités. Je m'étais noté parce que c'est souvent une question qu'on me pose. En fait, dans les rachats de trimestre, en régime de base, vous avez le rachat, soit ce qu'on appelle le rachat Fillon ou le rachat Madelin. Et en fait, les conditions pour être éligible à ces rachats ne sont pas les mêmes. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fonction de votre carrière et en fonction du régime auquel vous appartenez, on détecte, je dirais, une pertinence et qui nous fait dire que c'est intéressant ou non. Ça, c'est la première limite à regarder ensemble. Par exemple, le rachat Fillon, rachat de trimestre, il est encadré, on est limité à un nombre de trimestres. En l'occurrence, 12 trimestres sur 3 ans. C'est important parce qu'en plus, il y a un coût à ce rachat de trimestre, bien évidemment, qui va varier, si je la fais très simple, en fonction du taux de cotisation que vous allez demander et de la durée de cette cotisation. Tout simplement pour vous dire que rachat Fillon, rachat de trimestre pour études longues, voilà, c'est une condition d'éligibilité. Et surtout, c'est important, on aura la possibilité de voir dans votre relevé individuel de situation qu'effectivement, vous avez eu une interruption, vous avez fait des études longues de médecine, que sais-je, d'ingénieur très longue, ce qui explique ce trou de trimestre. Et dans ces cas-là, on peut faire ce rachat. Et puis, il faut savoir que c'est assez encadré en France, ces trimestres, il y a un coût selon un barème de l'imposition. Donc voilà, ce sont des éléments qui nous permettent d'arbitrer telle solution plutôt qu'une autre. Intéressant aussi pour les indépendants, le rachat Madelin sur les caisses des indépendants. Là aussi, il y a des conditions à respecter, il y a des plafonds et un timing. C'est pas en toute fin de carrière quand je vais avoir 60 ans et que je vais me rendre compte que aux alentours de mes 45 ans, il me manque des trimestres que je peux en racheter. Non, pas du tout. Ça se fait au fil du temps. Là aussi, dans un souci d'équité et de se dire, il y a eu une interruption soudaine, imprévue, qui fait que notre assuré a été lésé. Donc, on peut racheter dans un certain timing et pendant un certain temps, et seulement 4 trimestres d'ailleurs pour le rachat Madelin, pour compenser. Voilà. Donc, c'est toutes ces hypothèses et ces paramètres qu'on étudie ensemble qui nous font dire ou pas que c'est intéressant de racheter des trimestres. Et de façon très opérationnelle, pour faire des bilans retraite régulièrement, j'ai souvent cette question, elle est souvent intégrée dans l'étude, elle n'est que très rarement, je crois que je ne l'ai activée qu'une seule fois pour une cause d'invalidité qui fait qu'il y a une interruption brutale de cotisation. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Très clair. Ça veut dire que dans la plupart des cas, il vaut mieux utiliser éventuellement ce capital pour abonder de l'épargne ou réaliser un placement qui générera ses propres revenus. Exactement, oui, c'est important. Donc, par rapport à ce que vous disiez, exactement. Oui, tout à fait. Merci. J'ai cru comprendre que je pouvais transférer mon PERP vers un PER. Alors, en effet, tout à fait, c'est
une des mesures phares hein, de la loi Pacte de 2019, c'est la possibilité, en fait, c'est l'objectif premièrement déjà de créer un seul outil qui est le PER, sur lequel on peut à la fois faire des versements volontaires, transférer de l'épargne retraite déjà existante type Madelin PERP et même adjoindre tout ce qui peut être régime article 83 ou épargne salariale. Donc, l'objectif, c'est de simplifier. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un choc de simplification parce que ce n'est quand même pas si simple. Mais ce qui est simple, en effet, c'est tout simplement d'ouvrir un PER et de se dire je vais transférer mon PERP dessus ou mon Madelin dessus. Pourquoi ? Parce qu'une fois à la retraite, je souhaite avoir la main sur ce capital. Souvent, les contrats Madelin ou contrats PERP, alors, qui gardent quand même quelques avantages, hein, on ne peut pas tirer à boulet rouge dessus, bien sûr, mais souvent, l'écueil qui était fait à ces placements-là, c'est que la sortie était en rente. Quand un assureur transforme un PERP ou un Madelin en rente, il doit sécuriser ce capital et il s'engage à vous verser jusqu'à, enfin, ça, il fait ses petits calculs de son côté, mais il s'engage à vous verser une rente minimum, enfin, plusieurs types de rente, mais il a une obligation de sécuriser. Donc, bien souvent, en plus, ce capital est transformé en rente en étant ensuite placé sur des actifs peu risqués. Donc, aujourd'hui, les taux sont tellement bas que la probabilité que la rente évolue favorablement ou augmente est quand même relativement faible. Vous êtes à 0% de rendement sur les obligations souveraines, voire les taux négatifs. Au mieux 1%, vous voyez, la rente, elle ne va pas avoir beaucoup de chances d'augmenter. Le PER vient changer tout ça, puisque si je transfère donc mon PERP et mon Madelin sur un PER, je pourrais, en fait, et on l'a vu dans l'exemple, décider de ce que j'allais retirer tous les mois, tous les ans. C'est vous qui allez avoir la main sur votre PER pour en retirer ce que vous voulez, quand vous voulez. Et surtout, ça veut dire que vous continuez à le gérer, ou à le faire gérer, en l'occurrence. Donc, vous pouvez aussi espérer, même une fois que vous commencez à retirer du PER du capital, les fameux 1 000 euros par mois de notre exemple, le capital qui est toujours sur le PER continue à être géré. Et là, selon un niveau de risque que vous déterminez avec votre gérant, défensif, équilibré ou dynamique. Donc oui, non seulement on peut transférer un PERP ou un Madelin sur un PER, mais on s'offre par là même une option qui est de disposer de son capital qui n'existe pas sur les Madelins et les PER. Alors, il y a encore une autre question, c'est un sujet, on l'a dit, universel et complexe. Alors, bonjour, je souhaite ouvrir un contrat retraite. Pour cela, j'ai vu que je pouvais verser environ 15 000 euros, cotisation année en cours, plus les trois dernières années, dont je n'ai pas profité. Oui, en effet, si c'est 10% de ses revenus, mais si vous n'avez pas versé les trois années précédentes, vous pouvez cumuler en une fois, en gros, quatre années, l'année N et les trois années précédentes. Question, suffit-il de verser 15 000 euros sur le contrat retraite ou y a-t-il des formalités à remplir, déclarées pour utiliser les plafonds de ces trois dernières années? C'est l'administration fiscale, en fait, qui vous met sur votre avis d'impôt ce que vous pouvez verser une année N. Donc ensuite, quand vous allez faire un versement sur un produit retraite qui vous permet de défiscaliser ces 15 000 euros, vous allez avoir la petite case à cocher, j'ai versé 15 000 euros qui donne droit à une déduction sur mon revenu imposable. Et comme c'est même l'administration fiscale qui a dit que vous pouvez le faire, eux, ils vont matcher les deux. C'est-à-dire, ils vont dire, monsieur, vous pouvez verser 15 000 euros. Ça correspond au plafond maximum. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire que de cocher la bonne case dans sa déclaration d'impôt sur le revenu. C'est une formalité, oui, à remplir, mais qui se fait au moment de sa déclaration de l'impôt sur le revenu. Je me permettrais juste de compléter, Cyril. En fait, il faut aussi, je l'ai vu, c'est une de mes clientes qui m'a sensibilisé à ça, au moment de la réception de l'avis déclaratif, bien vérifier qu'ils ne se sont pas trompés de case. Parce que, voilà, c'est comme vous l'avez très justement dit, il y a la partie déclarative que moi je fais et je donne le montant, et vous allez recevoir sur votre avis d'imposition, de toute façon, la trace de cette déclaration. Surtout, regardez bien, c'est dans la bonne case. Parce que là, en l'occurrence, on a vu que ça s'était mis juste en dessous, et je crois qu'elle faisait un don, c'est ça qui l'a interpellée, au sapeur-pompier, ou je ne sais plus, enfin bref, ça l'a interpellée. Donc voilà, vérifiez à la fois et l'entrée et la sortie, comment c'est formalisé par l'administration fiscale, parce que c'est de plus en plus des machines qui font le boulot, et il peut y avoir des surprises.
Une autre question. À partir de quel montant de salaire ou de revenu je ne touche plus ma retraite? Ou est-ce que c'est une question à partir de laquelle, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un plafond de cotisation? C'est ça ou... Pardon. À partir de quel moment de salaire ou revenu je ne touche plus, je ne touche pas Ah, plus. c'est peut-être Ah. sinon le cumul emploi-retraite. C'est-à-dire, est-ce que si on continue par exemple à toucher des revenus à la retraite, d'être salarié, ça peut arriver à la retraite, est-ce que ça peut venir par exemple minorer D'accord. la pension retraite? C'est-à-dire, j'ai le droit par exemple à 2000 euros de retraite et je vais continuer à être salarié à toucher 3000 euros. Est-ce que ma pension de 2000 euros pourrait être diminuée? Alors, oui, c'est ça pourrait. Alors là, c'est un petit peu Ah oui. technique, mais c'est une bonne question. Si c'est sur le cumul emploi-retraite, Oui, je il pense. y a deux types de cumul emploi-retraite, un classique et un libéralisé. Donc, il faut effectivement regarder le statut déjà. Si vous êtes salarié aujourd'hui, juste à liquider votre retraite en tant que salarié, vous ne pourrez pas reprendre un travail de salarié à la retraite, même en cumul emploi-retraite. Il faudra changer de statut. Puisque justement, il faudra quelque part interrompre les cotisations à l'ancien régime. Ensuite, il faut effectivement regarder dans quelle mesure c'est intéressant par rapport au niveau de pension, puisque certains régimes, notamment pour encadrer ça, vous demandent aussi de continuer à cotiser sur le régime retraite de répartition de l'ensemble. Donc là aussi, il y a un arbitrage à faire et une petite étude pour vous conforter dans le choix de dire effectivement à partir de quel montant de salaire ou de revenu je peux continuer à faire du cumul emploi-retraite. Voilà. Comment sera géré mon PEA? Alors, une question gestion d'actifs. Bien, un PEA, vous pouvez donc en détenir un par personne. Et soit vous le gérez vous-même, en effet, si vous aimez ça et que vous avez les compétences et l'envie de le faire, soit vous pouvez en déléguer la gestion. Bon, là, c'est notamment, bien sûr, l'activité phare, la gestion sous mandat, c'est l'activité de la gestion privée de Trust Team Finance. Donc, on le gérera. Bah, dans le cadre réglementaire déjà, bien sûr, en action européenne, c'est obligatoire, et dans un mix OPCVM, fonds communs de placement et titres vifs. Et il sera géré aussi en fonction de, bah, quand même de votre appétence au risque. Alors, il faut accepter dans un PEA, pour en épargne en action, par définition, il faut accepter le risque action, mais bien évidemment, aussi en fonction de son âge, l'appétence au risque de chaque client, on va s'adapter, on va individualiser la gestion, notamment par rapport au taux de liquidité, c'est-à-dire la part qui sera non investie. Non investie parce qu'on saura que vous aurez envie de retirer tous les mois ou tous les ans de l'argent de votre PEA. Par exemple, tous les mois, 1 000 euros, c'est qu'il faudra garder un socle de liquidité important pour assurer vos retraits. Et puis aussi, voilà, en fonction du risque, et puis en fonction du momentum, c'est-à-dire que les différentes phases de marché en bourse, évidemment, et que par conséquent, il y aura des moments où on aura plutôt envie d'être investi pour vous dans votre PEA à 95, voire 100% en action, et à d'autres moments de réduire ce risque, peut-être à 60, 70, 75% investi, parce qu'il faut garder des liquidités après, par exemple, un fort rebond, par exemple le rebond qu'on connaît actuellement, enfin, qu'on connaît depuis déjà quelques temps, depuis le mois d'avril dernier. Voilà, de sécuriser un petit peu les bénéfices. Au-delà des calculs de retraite que vous assurez, des placements que vous recommandez, alors c'est une question pour Valérie, êtes-vous aussi conseil en santé, prévoyance et dépendance au moment de ma retraite? Ce sont des postes à prendre en compte, en effet. Oui, complètement. Alors oui, le cabinet, en fait, il y a trois piliers en protection sociale. Il y a la retraite, la prévoyance et la stratégie de rémunération. Et j'aime à dire que les trois se parlent et sont complètement interdépendants. Donc la question est bonne, puisque la prévoyance, dans la prévoyance en France, il y a la mutuelle et il y a ce qu'on regarde un petit peu moins, la prévoyance lourde. La dépendance n'est pas encore, ne fait pas partie, même si on en parle, mais j'ai peu d'espoir avec la crise que nous traversons, que ce pilier, ce nouveau pilier soit comment dire, actualisé à court ou moyen terme. La dépendance est encore autre chose, puisque là aussi, c'est une préparation de prévoyance plus lourde. Donc oui, de façon très opérationnelle, oui, on s'en occupe. En revanche, quand on est à la retraite, au moment de la retraite, pour la partie prévoyance,
j'ai envie de vous dire que c'est trop tard. Puisque quand vous partez à la retraite, vous passez du statut, même qui n'est pas très joli, de actif à inactif, même si ce n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a plein de retraités qui sont très actifs, voire plus actifs que des actifs, mais ils sont considérés au sens administratif comme retraités. Donc, la prévoyance, ça ne peut, je dirais, aujourd'hui, ce qui est disponible, ça sera du capital décès pour protéger sa famille, s'organiser, je dirais, dans son cercle privé. Alors que la prévoyance au sens propre, au départ, c'est par rapport à son activité professionnelle. La dépendance, les caisses de retraite s'y penchent de plus en plus, puisqu'elles voudraient que ça soit opérationnel. Justement, au moment où on part à la retraite, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir besoin de ce type d'assurance. Mais il faut le faire pendant qu'on est actif. Voilà. Et la santé, bien sûr, ça nous suit tout au long de notre vie. Donc oui, ça, c'est intéressant. Et je conseille de remettre régulièrement en concurrence ces contrats santé. Alors, nous sommes proche de conclure, il nous reste encore 4 minutes par rapport à l'heure que nous avions prévue. Une question, complément, une dernière question. Ah oui, y a-t-il un plafond de revenus à partir duquel je ne cotise plus pour ma retraite ? Donc à partir duquel, un plafond de revenus à partir duquel ça n'augmentera plus ma retraite ? Alors, comme ça, en quelques mots, oui. Alors, plafond, moi, je préfère dire optimum. Oui, puisque les niveaux de rémunération sont plafonnés par rapport au plafond annuel de la Sécurité sociale. Un PASS, jargon, qui veut dire plafond annuel de la Sécurité sociale, 41 136 euros en 2020 comme en 2021. Quand vous en touchez, vous avez un plafond, deux plafonds, trois plafonds, en fonction de ce niveau de rémunération, ou même en dessous, mais au-dessus d'un plafond, vous allez passer obligatoirement en complémentaire. Donc, quelque part, bah oui, vous allez plafonner. Et pour être à l'optimum, ça peut être effectivement, c'est pour ça que c'est le troisième pilier de notre expertise, de regarder l'impact que ça aura. On a des logiciels pour ça par rapport à votre rémunération à vous, votre stratégie de rémunération. Notamment quand on approche justement de l'âge de la retraite, ça peut être intéressant de le piloter aussi, d'augmenter, pour augmenter ses cotisations ou de diminuer son niveau de rémunération en fonction des cotisations que nous aurons déjà acquises tout au long de notre carrière. Merci. Et je crois que nous avons une dernière question pour conclure. Peut-on bénéficier des mêmes avantages en complément du PEA avec un PEA PME ? Eh bien, la réponse est oui, puisque donc le PEA PME investit sur les petites et moyennes entreprises. Petite et moyenne valeur, toutes choses égales par ailleurs, hein, ça reste des sociétés cotées en bourse, donc ce ne sont pas des micro-entreprises non plus. C'est un avantage qui vient se cumuler en effet avec le PEA. Si vous avez versé 150 000 euros sur un PEA, vous pouvez encore verser 75 000 euros de plus, donc 225 000 euros au total, donc 75 000 euros de plus à travers un PEA-PME. Et de la même façon que le PEA est exonéré d'impôts de plus-value après 5 ans, le PEA-PME bénéficie exactement de la même, avantage fiscal. Donc, si vous retirez également d'un PEA-PME, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux. Donc, l'exemple que l'on a pris pour le PEA peut évidemment être vrai, et il est vrai aussi pour le PEA-PME. Voilà, je crois que nous en avons terminé. Merci à tous pour votre attention, pour ces questions très intéressantes. Et puis, Valérie Fauconnet et moi-même sommes bien sûr à votre disposition si vous souhaitez approfondir divers sujets. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.